wing corner on the fringe of the play into the opposite corner. Kieran Gallant to the blue line, stepping in. Blendeski with the shot. Rebound right off in front club side. Machine back for it. It's going to be Tardif. Abramov from 40 feet. Negotiates the play. Puck comes loose across off in front. A little bit of crease crazy right off to the glove side. Save made right off the get-go by the goaltender Colton Ellis. He will hold on. Again, won by Charlottetown. This one rattled around, pinching in. It will be Cedric DeRusso. Here's Budgell off the goal line. Drops it back. Right face-off dot. Cedric DeRusso off the goal line. Casey tries to jam it home on the low glove side. And Arsenal now is going to try to push Casey away, but it was one close to the low glove side. Jammed up. Here comes Cormier. He's going to do a little shuffle shake in. There's a pass. Isles catch a break there. In front. Casey with the shot. They score! Islanders Lucas Cormier down low off in front. And in late game one, the Isles hit pay dirt first. They're up 1-0. Well, it's a puck that is own entry by Lucas Cormier. Has the puck and just takes it, skates it in. They get it set up. And it's with a 1-0 lead. Lifted off the right wing boards. Trying to take control. It's Colum. He'll hand it off. Step it into the goal. Stick handling down low. They score! Victoriaville slides through the defense. And it could be Pellerin. He goes to the outside and then goes inside one-on-one with the goaltender Colton Ellis. Draws him down. He's got open block. Une passe à la pointe pour La Rochelle. La Rochelle devant lui pour Tardy. À la pointe. Abramov. Abramov. Sur sa droite pour La Rochelle. Ça va. Sortir. Ça a été stoppé devant le filet. Kalmykov saute sur le maintenant. Laisse le long de la rampe pour Bocage. Bocage à la pointe pour Sévigny. Sévigny du revers pour Bocage. Avance vers le filet. Sortir. Bel arrêt de la mitaine de Colton Ellis qui signale. Celui-ci, c'était un bel arrêt de la part du gardien des Islanders. Et on est très robuste du côté des Islanders. Peach en entrée de territoire laisse à Guy. Guy déborde Michaud. Guy s'avance vers le filet. Bel arrêt de Jacobo sur le premier lancé qu'il reçoit dans cette période. 4-29 à faire à la deuxième. 1-1 la marque. Il était très calme devant son filet, bien positionné, a fait cet arrêt. Tire frappé, dévié devant le gardien. Je ne suis pas certain que ça a touché Jacobo. Voilà Desruisseaux qui reprend au cercle gauche. Desruisseaux envoie derrière le filet. Pour Budgell, pour Desruisseaux, transversal, Lawan, son tir, bel arrêt d'Jacobo, le retour et voilà le but. Et c'est 2-1 les Islanders. Et c'est Budgell lui-même qui était revenu sur la patinoire, qui marque et il restait 44 secondes à la première des deux pénalités. Bel arrêt d'Jacobo, Rondel qui est dégagé à l'autre bout, c'est Bocage qui venait de sauter dans la mêlée. Bocage refile derrière pour Daigle. Daigle veut remettre devant sa dévie. Mais un tir, voilà le but du coin de la patinoire, un but inespéré chez les Tigres, sur La Rochelle qui vient de jouer le gardien. Alors qu'on a raté plein de chances dans cette période, un but qui vient de nulle part avec 1:30 à faire à la période et les Tigres ramènent le match à 2-2. Wow! La Rochelle qui a tout simplement dirigé une rondelle devant le filet. Jacobo arrête cette rondelle, tente lui-même le dégagement, ça rejoint Kalmykov. À la ligne bleue maintenant, c'est Beauregard. Belle remise du revers. Tire, voilà le but! McCarthy qui marque, une rondelle qui a dévié devant le filet. Et c'est 3-2 les Islanders. Quel but important. Absolument, Jacobo a été surpris sur la séquence. Les Islanders qui reprennent les devants pour la troisième fois du match. Rondelle qui s'est faufilée entre les jambières du gardien des Tigres. Et Cormier se déplace, passe sur sa droite pour Pérusso. À la pointe pour Lawan, qui est venu prendre la place de Cormier. Lawan descend, fait du filet pour Casey. Dans l'enclave, un tir à bout portant de Budgell. Belle arrêt de Jacobo. Chez les Tigres. Passe de l'autre côté, Guy, qui a fendu là sur son lancé. Guy qui a tenté de reprendre la rondelle, on l'a mis en échec. Voilà Trudeau près du filet, échange à 3, voilà le 2. De Guy à Peach. Et les Islanders qui prennent les devants par 2 buts, c'est 4-2. Ah, c'est dommage, les Tigres venaient de se sortir d'un pas dans cette infériorité numérique. Et à la toute fin de rondelle qui est revenue à la pointe. Bel échange ici des Islanders, tic-tac-toe. Devant le filet, c'est passé tout droit, 25 secondes. La Rochelle, de l'autre côté pour Abramov. Abramov dans le coin pour Tardy. Tardy, son tir, et voilà le but! Benjamin Tardy, restera 20 secondes. Pour tenter une dernière attaque, là, c'est un très bon tir de Benjamin Tardy. Le problème, c'est qu'il ne restait pas beaucoup de temps.